Salut les gens, c'est Slane, on se retrouve sur Europa Universalis 4 avec la Horde, le petit écran noir qui va bien, le temps qui percute, que j'ai lancé E4, ça y est, ça va, ça n'a pas trop duré. Eh bien écoutez, on se retrouve après l'attaque de Luc et on va préparer l'attaque sur la Savoie et sur Eugène bientôt. On va d'abord essayer de se finir de se débarrasser de tous les petits rebelles qu'on a partout qui nous pourrissent la vie. Et ensuite, on va voir contre qui on lance une attaque. On va quand même laisser passer un mois. Pour voir si des gens. Ah, Brunei s'est retiré, ça c'était prévu. Malwa s'est retiré, Bohème-Meiningen, super. Bon, bah ça se retire de partout, très bien. Il me semblait bien qu'elle était petite cette coalition quand même. Hein. Alors lui, c'est pas mal parce qu'il a bougé finalement. Donc là, je dirais bien qu'on s'est donné du mal pour rien, mais finalement on a perdu tellement peu d'hommes. Hop, hein, c'est parti, tu vas t'échauffer. Sadebourg s'est retiré, oui, c'est pas quelque chose que je voulais voir forcément. On continue à s'entraîner partout. Ici, on a une armée qui va remonter. Là. Faire ça, faire le nettoyage. Et ça, c'est notre fabuleuse armée d'élite. Dont on n'aura plus besoin ici, hein, comme vous l'avez vu. Maintenant, ça y est, on a pris tout ce qu'il faut. La frontière sud est finie. Et bah écoutez, la trêve avec les Ottomans arrive quand? Jamais. En 62, c'est dans longtemps. Je pense qu'on va attaquer vers là, on va y aller vers là, hein, tout simplement. Hein. Là, c'est quasiment sûr qu'on va attaquer le Malwa. Il vient de ressortir de la coalition. Le truc, c'est est-ce qu'on va attendre en fait ou pas? Tout le monde est sorti. Si j'attaque le Malwa, Delhi vient, mais pas Vijayanagara. C'est plutôt une bonne chose. Si j'attaque le Gujarat, c'est là-bas. Et si j'attaque Delhi. Malwa vient. On peut pas attaquer Delhi. Donc on va attaquer le Malwa. Le Gujaratava, c'est exactement ce qu'on avait prévu de faire. Mais pour autant, on va lancer très probablement rapidement. Ah bah voilà, ça va s'y retirer de la coalition. J'allais dire, quand c'était rapide, c'est effectivement très rapide. Du coup. On va attaquer Ava. Gujarat en même temps. Hein. Le pape a confirmé nos droits à nous? Le pape? T'as fait trop de messes d'un coup là. Hein? Mais bien sûr. Le pape, il en a pris un sacré coup là quand même. Hein, hein? Faut arrêter le pape là. Hein? Ça picole grave quand même. Hein? Allons-y. Donc l'idée c'est de faire sortir Delhi en premier. Puis Gujarat. Et enfin Malwa. Alors Gujarat, on va pas lui prendre ça, hein, c'est pas dans notre, c'est pas dans la ligne. Hein. On va s'arrêter, on va s'arrêter quelque part dans le coin. Bon, il est co-belligérant, on pourra pas, probablement pas lui prendre grand-chose. Non, il sera pas co-belligérant du tout. Il raconte des bêtises. Voilà, hop, tout le monde là. Plutôt tout le monde là-bas. Toi, tu vas carrément direct là-bas. On a un Garjat, là, je ne sais pas trop ce que c'est, ni d'où ça sort. Bon, c'est allié à qui, ça? À Bengale et à Andhra? Mais il n'y a plus de Andhra. Ah, Andhra est énorme. Et t'es quelle religion, toi? T'es hindou. Ah, touche pas aux hindous. C'est plus notre affaire, ça. Hein. Ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est l'Europe. Bon, alors, Savoie. Eugène, t'es dans la coalition. Eugène, t'es pas en guerre. C'est plutôt bon. Par contre, t'es encore dans la coalition. Savoie, t'es en guerre. Et si je t'attaque, s'entraîne la Bourgogne, la Bavière.
Et c'est tout. Autant dire, ça entraîne personne. Et ben on est parti. C'est quoi ta capitale? C'est ça. Donc la Bourgogne, c'est ce fameux territoire là-bas. La Bavière, c'est ça. Donc bah pour l'instant, oui, on annule le... Voilà, et puis bah toi tu vas continuer à t'entraîner, hein. Ensuite ici, on a un mec qui est censé remonter. Et un autre qui est censé partir à l'est. Bon alors, oui, la Savoie, c'est pas la peine d'essayer de la sortir de la coalition, c'est peine perdue là pour le coup. Les États pontificaux. 12 plus 11, 25. 37 plus 11 égale 48. Hein. Autant dire qu'il va falloir remettre un petit coup de quelque chose sur eux. Qui d'autre? La Hongrie, c'est pas la peine. Mais il y a Volgas qu'on voulait sortir. Donc on va améliorer les relations avec lui. Ah, apparemment ça s'est bien passé avec le délit. Ouh, le signe de... Le Malois m'attaque. Attends, 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 attends. Non, je ne... Dépensons sans compter. Oui, on va dépenser sans compter. On aime bien ça, les points. Ok, ici. On en a 40, on va attendre parce que souvent on a des fanatiques. On a des fanatiques de rien du tout. On y va, là, go. Podoli. Ensuite, ici. On y va. Là, on va aller en Ava. On va pas tarder à attaquer. Ah, ça c'est du beau ménage. Tu fais quoi toi? Ah, tu venais aider. Bah tu vas aller aider là-bas. Ça tombe bien. Et lui, il va faire le nettoyage là. On va garder quelqu'un un petit peu dans le coin pour le moment. Est-ce que là on peut circuler? Non, oui. Tu mets fin à ton entraînement? Non. On est en guerre contre Bavière pourtant. Hein. Mais il ne peut pas venir. Ok. Alors on va rester comme ça, on va se rapprocher. C'est quoi cette histoire? T'as deux en siège, toi? Toi trois? Et toi combien? 5. Comment tu t'appelles? Tu mènes. L'héritier est Cupide, c'est dommage. Tu mènes. Hop. Tu vas là. Toi, tu viens là. Pratique extrémiste. C'est toi qui reviens là. Donc, c'est un sacré fort là qu'on a. Je pense qu'il faut envoyer plus de canons. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Là, on a un débordement. On va aller sur Delhi. On va essayer de prendre. Non, on va les taper. Pour l'instant, on tape. On attend l'arrivée de l'autre. Lui va aller là-bas. Ici, on va aller affronter le Gujarat. Il est garanti par quelqu'un, par contre, hein. Oui, par Malwa qui ne viendra pas. Et donc, on est en guerre contre Ava. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle du siècle. On va aller là. On va d'abord faire ça et après, on ira filer un coup de main à droite. Alors, les états pontificaux. Attends, 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 attends. 48. Il faut garantir son indépendance, pauvre état pontifical. Volgast, t'es à 21.
Combien tu peux améliorer encore? 17, ça fait 38. Va falloir qu'on cotise. On a quelqu'un d'autre dans la coalition. On n'a que Japon. Et la Hongrie. La Hongrie, il faudrait voir si je peux pas l'attaquer. Faut que j'attende. Volgast. On va t'influencer. Waouh, c'est cher. Mais bon, maintenant ça a été fait. La Hongrie, est-ce que je peux t'attaquer? Bah non, parce que la coalition, vous êtes beaucoup encore dedans. Non, non, on peut pas l'attaquer. Ça revient à attaquer la coalition. Donc on pourra attaquer État Pontificaux, mais non, on est en train d'essayer de les faire sortir de la coalition, justement. Donc on peut rien faire contre elle. Nous devons nous coucher nos dépendances. Et puis les alliés, ils vont bien, donc on va mettre deux sur les dépendances. Eh bien, tant mieux, les États Pontificaux, tu sois retiré de la coalition, ça me rend service. Passe pas si bien que ça, là. On commence à être usé un petit peu. Allez, à droite. On est parti. Normalement, là, on a 75 000 hommes qui arrivent ici. Parce qu'on a quand même démarré cette guerre juste avec 25 000 hommes, c'est un tout petit peu léger. Je crois qu'on peut dire que Ava va mourir. Ici. 48 000, c'est beaucoup. Allez, on va se replier. Ben, c'est pas du tout là où j'avais dit. Pas grave. On va se mettre tranquillement ici. On va voir les États pontificaux. On va arrêter de les garantir. Ça nous coûte une relation. Volgast est au-dessus de 56. On peut le laisser. De toute façon, ça ne coûte rien. On y arrive là ou pas? C'est un peu longuette cette histoire. Et puis l'autre, il est passé. C'est qu'on peut passer. Hein. On ne me la fait pas, moi. Ah bah. Pas la peine. Bourgogne. Volga s'est retiré, donc on peut récupérer notre petit bonhomme. Paix blanche, non? Ok. Par contre, du coup, là, je peux probablement faire le tour. Ouais, je sais pas si c'est vraiment très utile. On va rester dans le coin. C'est peut-être plus utile que j'aille là, avec les 15 000. Pendant que celui-ci va faire le siège. C'est bon, le premier vient d'arriver. C'est parfait. On va monter faire les combats d'abord, hein. Leur apprendre un peu la loi du plus fort. Pour l'instant, on va reculer. En attendant que cette loi du plus fort soit la nôtre. Une époque prospère. Des points administratifs. Mayence vient de rejoindre la coalition, d'accord. Bon, on peut tenter Mayence, hein. Vous êtes tellement nombreux dans la coalition qu'on peut vous faire un par un. Hein. C'est pas tellement un souci. Est-ce qu'on n'a pas laissé traîner une petite quelque chose? Non, toujours à moins 3. C'est parfait. Ok, donc là on va aller là-bas.
Ok. Donc là, les disques qui vont là. En fait, tu vas d'abord aller là. Faire ça pendant que nous voir. Ah bah la Bourgogne elle est sortie de la guerre. Direct et proprement. Très bien. Bah du coup, on va passer par là. Si ça se trouve, c'est un autre chemin. Ouais, on nous a fermé un passage et ouvert un autre. C'est pas très sympa. Et ici. Japon s'est retiré. Waouh, c'est que elle est vraiment faible cette coalition. Hein. Ici, nous allons avoir juste à prendre à sa voix ces deux provinces pour le moment. Donc la question qui se pose, ah ouais, mais en fait, on aurait intérêt à prendre ces trois provinces. Parce qu'on pourrait zapper Nice. On a vraiment intérêt en fait à prendre les trois. Et en plus, avec ce quasiment personne, hein, on reste correct hein, maintenant. Oui, tu veux pas, tu veux pas, tu veux pas, mais tu vas vouloir, hein, crois-moi. On avance doucement, mais sûrement, très sûrement. Très très sûrement, la horde ne faiblit pas. Et là, ce sont les derniers ennemis qu'on a ici. C'est bon, tu peux revenir. Hein. Tu vas plutôt aller là-bas, il n'y a personne. Tu vas aller en Gujarat. Et toi, tu vas aller ici. Là, on a déjà quelqu'un qui est arrivé. Eugène s'est retiré de la coalition. L'Hongrie s'est retiré. Moi, je vais pas aller là. Si, je vais aller là, bien sûr que si. Ils sont vraiment beaucoup plus nombreux que ce que je pensais là, dans cette guerre. Waouh! Ah ouais, ils sont 100 000, hein. J'ai déclenché ça comme ça à l'arrache parce que je me disais, oh, Malwa, il est tout petit. Mais en fait, non, il n'est pas vraiment tout petit. Encore un marchand, s'il vous plaît. Ici, ici, au Japon, c'est pas la peine. Mais ça donne ici où j'ai 99%. Alors on pourrait, mais ça ne va pas nous apporter grand-chose. Ici, par contre, voilà. Collecte ou transfert? Transfert. Et ici, il faudra en mettre un aussi. Hein. Et ici aussi. Et ici aussi. Et ici aussi. Ça manque de marchands, tout ça. Allez hop. Voilà. Pour l'instant, on se met là. Et on arrive avec eux. C'est qui les gros bills? C'est eux? Ah ouais, c'est eux. Il faut qu'ils aillent au fight, eux. Hein. Faut aller combattre là. Et là, on a une troupe à 10 000. Faut aller la combattre aussi. On va essayer de pas laisser s'échapper les gars là, parce que sinon ça va pas le faire. Là, c'est pareil. On va avancer. On va aller au fight. On a un général en plus, on en profite. Et ici, on vient ici pour faire notre petit 100%. Et là, on est presque arrivé en Bavière. Toi, bah du coup, tu vas aller là-bas pendant que le monsieur, là, il va courir après le Bavarois. Bavarois qui va à Belgrade. Bah, du coup, nous aussi. Hein. Ici, notre bateau, bah, on n'a toujours pas de marin, donc il se passe rien. On fait semblant. Toi, on va te mettre des bottes parce que tu es vraiment là pour donner des baffes. On va essayer de l'empêcher de s'échapper. Allez, ça devrait faire très mal. Ce sont nos bannières. On a déjà remporté le siège de Munich. Donc autant dire que la Bavière, elle s'en va. Et que dans l'autre, eh ben on a 100%. Du coup, là, c'est pas la peine d'arrêter de courir. Tu peux te mettre à Belgrade et puis t'entraîner. Toi, tu vas rejoindre là-bas, ici à Coni. Et toi, tu vas venir ici. Dans l'égalisme.
Allez. On est toujours là pour les baffes. Là, faut mettre les bottes, hein. Parce que sinon, on n'en a pas fini. Hein. Là, on va se mettre sur le fort. Hein. Voilà. Pour l'instant, on enlève les bottes. Même si ça change rien. Ici, on va à la capitale. Et sur le petit fort. On devrait recevoir des soutiens. Pareil, on va là. Pour l'instant, personne ne semble s'être échappé. Il dit bien ne semble, parce qu'on voit bien que quelqu'un s'est échappé, mais. Mayence, c'est toujours dans la coalition ou c'est fini? Ouais, t'es toujours dans la coalition de Mayence, quoi. Si je t'attaque, c'est. Voilà. T'es allié à des gars, mais t'es tout seul dans ta coalition. C'est la coalition de Mayence. Très bien. Alors, là. Est-ce que. Assez bizarre que je puisse faire ça. C'est très louche. Si je prends tout. Si je prends tout, ça énerve un petit peu plus les gens. Ça les énerve pas mal, mais bon, c'est la vie, hein. Faudra bien qu'ils s'y fassent. Après, c'est pas là qu'on a envie de tout prendre, hein, c'est ici. On va dire qu'on passe. On prend Saluce pour avancer plus vite. Après, ça serait bien de se débarrasser d'un gars, hein, pour où on en est. Hein. Allez, on va commencer à montrer qu'on est le boss et à essayer de supprimer des gens. Ça en fera un de moins dans la coalition. On n'est pas là pour faire des petits mamours. 108? J'avais oublié de vous piller, vous. Non, je vous avais pillé. 108, c'est pénible. 98, c'est bien. Ouf. La vie est belle. Le siège de Qatar. Eh ben, Belly. Parce que Delhi, normalement, on peut pas lui faire grand-chose. Il est co-belligérant, donc. On a fait Zoab aussi. Autant dire que c'est la fête. Oh, tiens, on va se faire une doublette. Une jolie, jolie doublette. Ça te picote. Ça te picote fort. Oh, et puis là, on va s'en faire une autre. Ouh, c'est que ça commence à devenir rigolo, cette guerre. Donc, la 16e armée va venir persécuter lui. Qui rentre dans les terres. Donc, non, on va aller chercher un fort. On peut pas passer. Voilà, ici. Et lui, par contre, on va continuer la course. Et aller là-bas. Après, on aura le 22. Mais je pense que le 22, on va le faire avec le 24 qui est là. On leur a descendu leurs 100 000 hommes à une vitesse assez phénoménale, quand même. Il en reste encore. Mais de moins en moins, quand même, hein. Percepteur corrompu. Vous savez, pour une fois, on va payer. Ça m'embête de faire ça avec cette unité-là. C'est pas celle qui est faite pour. Hein. Mais bon, ça va être vite fait. On va récupérer tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas grand monde. Là, on est en train de mettre au point un plan de bataille contre le Gujarat. Ok. Toi, tu vas où, toi? Oh là, non, non, on va plutôt par là, toi. Ok, ils ont encore des belles troupes.
Voilà, là on en a encore 3, 4, 5, 6, 7, on en a pas mal là. Il faut se méfier parce que. Parce qu'ils sont loin d'être diminués encore. Ah, mais on a les 21 000 de Ning qui arrivent. Évidemment, ils ont toujours des belles armées au moment où l'annexion se termine. Hein. Ok, t'as pas. Si, t'as quelqu'un, toi, pour t'entraîner, faut t'entraîner, gars. Pareil, là, faut s'entraîner, les armées, ça s'entraîne. T'es à 100%, toi, non? Faudra bientôt que tu lâches la, que tu passes la main, quoi. Il est fort qu'il se tape, le grec. S'il arrive à survivre, je sais pas comment il fait. Voilà. Voilà aussi. Encore un fort. Ça va vite les forts là. Ça circule. Hein. Bon, en Europe, on est propre. Ici, on a tout légitimé. Est-ce qu'on peut sortir à Alois ou pas encore? Ava. Le problème de Ava, c'est que je peux le sortir, mais que ça va me faire passer au-dessus, là. Ce qui revient à dire que je ne peux pas le sortir. Qu'est-ce que c'est que ce calcul idiot, là? Pourquoi 119 d'un coup? Qu'est-ce que tu me racontes? Voilà, lui après il va aller là. Alors, toi, tu vas où? En Multan. Ok, donc là, toi tu vas là. Alors, tu vas toujours en Multan, tu vas toujours en Multan. Sympathie pour les séparatistes, ouais, il y a clairement un dépassement. Par contre, j'ai du mal à croire qu'il soit aussi gros, ce dépassement. Voilà, là on aura tout le monde sur place. Allez, on laisse s'échapper le 34. Mais on va pouvoir lui tomber dessus plus tard avec lui. Sympathie pour les séparatistes, ça recommence. Voilà. Après, il faudra descendre vers là. Mais j'arrive pas à comprendre d'où ça sort, tout ça. En l'occurrence, on a malheureusement que 17% qui vont sortir. Donc on est loin de pouvoir se débarrasser de tout ça. Ok. Voilà, un ici. Là, lui, on l'a raté alors, du coup? Non, pas vraiment en fait. Allez, c'est beau. On y va. Il reste plus que le 34. Non, tu vas pas là, tu vas ici, à Delhi. Rendez-vous de la team. Mandla. Les 5 000 ont été nettoyés. Ici, tout est fait. Là, on parcourir.
Très bien. Il n'empêche qu'on est toujours à 107. Et que c'est beaucoup trop. Je me demande. Non, la surexpansion, c'est pas par rapport à ce qu'on possède. Faut mettre fin à ces guerres rapidement. En même temps, contre le Malois, on est déjà à 80%. Hein. Donc on n'est pas si mal. Et en plus, on est sur le point de le rattraper. Et de se répandre, en fait, chez lui. Il n'empêche qu'il nous reste encore d'efforts à prendre si on veut pouvoir imposer une belle guerre. À nouveau une coalition. Décidément, ça picote un peu partout. Brèche dans les murs. Un général qui vient de mourir. C'est évidemment un qui était parti faire un siège à tous les coups. Ah, là on a mis la baffe. Il retourne au pays. On va maintenant courir après lui. Oh là 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 là. Ça se passe bien quand même, hein, nos petits bidouilles. Oh, mais c'est que je l'avais pas vu celui-là. Un nouveau venu dans la bande, on va les courir après. On est à 28% sur la capitale, donc normalement ça devrait bien se passer. Tiens, toi. Très bien, tu peux arrêter les bottes. Et revenir tranquillement ici. Allez, tu cours après et lui va où lui? Il va là. On devrait être capable de l'intercepter. Sympathie pour les séparatistes. Je suis pas étonné. Famine en Lahore. Sympathie pour les séparatistes. Ah, il faudrait valider là. Encore un là, mais ils sont tellement nombreux. Comment c'est possible? Ça arrête pas. Mais ah, mais c'est des. Ce sont des mercenaires, tout ça. Ils apparaissent, ils ont même pas de morale. C'est des mercenaires. Mais il va être complètement détruit, il va se faire complètement annexer par tout le monde ensuite. Allez, Zou. 99, c'est 99. On récupère tout le monde. On a 4 paix à faire. On y va. On va continuer la bataille jusqu'au bout. Ça y est, ça commence à se soulever. C'est bon. Ah va. S'il te plaît, le pognon aussi. Merci. Au moins, tu nous embêteras pas. Gujarat. On va te prendre tout ça.
Voilà. Le lendemain, c'est Delhi. Quatre-vingt-dix-sept%. Oh, c'est joli. Par contre, non, c'est pas si joli que ça parce que je fais que 90 fois, bah du coup on peut prendre un peu de fric. Hop, 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 pause. 99, bon bah autant dire qu'on va forcément ne pas prendre grand-chose ici. Ouh, que c'est beau. Voilà. Voilà le Malois. Bon, alors il est évident qu'ici, on va déjà commencer par tout piller, mais qu'il nous faut un vassal ici. Jusqu'à présent, on n'en avait pas, mais là, clairement, il nous en faut un. Ça n'a pas fini d'être légitimé, donc je peux récupérer la moitié. Mais là, de toute façon, il y a déjà tellement à donner ici. Il y a beaucoup trop à donner ici. Comme je ne veux pas les attaquer eux, je peux prendre un vassal ici. Il n'y a aucun problème. Il faut juste savoir. D'abord, on va commencer par les piller. Parce que là, franchement, on va se faire plaisir. C'est beau l'Inde. Ça fait des tonnes de points. C'est beau. Ouais, je regarde pourquoi je touche moins là à chaque fois, de moins en moins. Ça avant c'était 10, puis 9, puis 8, puis 7. Alors là, clairement pas. Ça doit être en dépassement. On a 7% de pénalité et on est très très loin de pouvoir acheter les trucs là. C'est bien beau tous ces points, mais on sait pas quoi en faire. On a même pas de doctrine à prendre. Puis là, on est à 100%. Puis là aussi. On va réprimer des gens. Faut leur dire que c'est mal tout ce qu'ils font. Mercantilisme, bah là on va payer, tiens. Ça leur apprendra à nous embêter. Je peux faire un peu de mercantilisme. Ou je pourrais aller développer mon institution. Bah pas vraiment en fait. Ça aille. C'est joli ça, 10, 10, 10. Astrakhan à côté, on va te faire aussi un. Voilà, on a dépensé plein de points, on est content. On peut continuer.
Bingo! C'est le jackpot. Ah bah voyons. Bon, alors ça faut le donner, Pigou. Donc ça va être un Ning. Là on peut pas. On va donc ensuite devoir relâcher quelqu'un, le plus gros possible. Jaune pour, ça serait propre. Le problème de jaune pour, c'est qu'il va être relâché ici. Et donc ça m'arrange pas plus que ça. Orisha, c'est là-bas. Garwal, Kangra. C'est pas possible. Il y a des gens ici quand même là. C'est quoi ça? Junagarth. Et pourquoi je le relâche pas? Moi, je veux relâcher Junagarth. Peut pas dire qu'il soit très gros par contre. Hein. J'espère que ça fera l'affaire. Ça fera probablement pas l'affaire. Hein. On a été un petit peu gourmand. Mais bon, le but c'était de les calmer aussi un petit peu là. Hein. Lunagarde, accordé. Pourquoi je pourrais pas? Ah, parce que ça doit être encore un nœud. Ah oui. Alors, à combien j'en suis là? 163. Comment vous dire que c'est trop quand même? Ceci dit, c'est dans combien de temps qu'on récupère tout ça là? 19 mars 58. Je pense vraiment qu'on peut tenir. Allez, go, ne perdons pas de temps. Par contre, il faut s'assurer qu'on fasse au moins 63 à la date prévue. Donc ici, on a 8,25. 8,25 plus, ça nous fait 9,90. 10, 12, 10, 12, 10 plus. 11, 23, 10, 23, 10, 26, 40, 26, 40 plus 9, 36, 40, 36, 40 plus 2, 38, 40, plus 4, 38, 95, 38, 95. Ça nous fait 37, 75 plus 10, 47, 75. 47, 75 plus 5, 52, 70, 55, 45, 55, 45, on n'a pas assez. Là, c'est un problème, il faut que je redonne des terres. Ça doit être gros, non? Ouais. On va donner à Ava, à Ning, une petite terre toute molle. Ava, c'est gros. On peut donner ça.
Daybreed, on peut même le donner à Cam. Voilà. C'est bon. Ça va être dur à gérer. Mais ça va le faire. Donc, ici, on sort de là. Bon, bah, on a fait le ménage là. Il ne reste plus que ces trois-là. On va les harceler. Et les autres, là, par contre, ils se débrouillent. Hein. Gujarat, il reste en vie. S'il a envie de faire des coalitions, il fait des coalitions tout seul. Mais il va se faire manger de toute façon. Nous, on va aller là-bas. On reviendra ici dans longtemps. On a le Japon à faire, mais... On va y aller. On va y aller pour le principe. Allez hop. On va envoyer deux personnes faire le Japon. Lui, il va évidemment exploser. Il va falloir lui filer un coup de main. Non, on va s'arrêter là. Toi, t'es parti. Toi, t'es parti au Japon. Toi, tu vas t'occuper ici. Et vous deux, vous allez repartir dans l'ouest. Parce que maintenant, toutes les guerres seront dans l'ouest. Ning veut se marier, tant mieux. Toi, tu vas aller voir Tver. Pourquoi il se rebelle, Tver? On l'a intégré, il est tout mignon, tout content. Et on va faire plein de tribunaux. Et je pense qu'on va approcher de notre seuil d'équilibre. Nouvelle expérience religieuse. Bof, bof, bof. Donc ici, on a quelqu'un qui maintient l'ordre. Ici, on a quelqu'un qui part en Europe. Quelqu'un qui va te faire. Quelqu'un qui maintient l'ordre. Ah bah non. Toi, t'es clairement pas un mainteneur d'ordre. Ça, sûrement pas. T'es censé être le meilleur. Cinq, cinq, cinq. Je pense qu'on peut dire que c'est le meilleur. Hop. Tu vas en Europe. Pas. Allez, un long trajet t'attend. Toi, t'as perdu ton dirigeant, mais c'est pas grave parce que t'es à 100%. Ton général. Oh, on a des marins. C'est comme une fête. Sayan Karachin. Là-haut. Sayan Karachin. Hop, tu t'entraînes. T'es pas tout à fait fini. Là non plus. Là non plus. Toi, tu maintiens l'ordre. Donc, t'as pas besoin d'un général. Toi, tu vas maintenir l'ordre, du coup. Et toi, tu vas partir là-bas. Voilà. Bah oui, ça se soulève. Hein. Bamani a rejoint la coalition. Bah c'était mon ancien allié, pourquoi il fait ça? Vous êtes sacrément méchant, il va falloir que je vous sorte de la coalition. Je m'y attendais pas parce que j'ai vraiment rien fait de mal. Alors, montre-moi ça. Bamani, t'es tout petit en même temps. Hein. Faut arrêter là. Opinion moins 70. Ah non, moins 200. Waouh. Ah ouais, t'es en colère. Toi, tu t'en fiches. Ok, vous deux, vous êtes en colère. Marat, tiens, je te connaissais même pas. Bah, tu vas pas aller dans la coalition. Toi non plus, tu t'en fiches. Portugal, il a Goa. Toi, j'imagine que tu t'en fiches aussi, ouais. Bon, il y a Bamani et Gujarat, mais c'est tout. Ceux-là, on les rattaquera dès qu'on peut. Ici, il n'y a plus personne. Il n'y a plus que le Malacca d'ici. Malacca d'ici qui est en trêve jusqu'en 65. Et le Pasai qui est en trêve jusqu'en 62. Donc, on se dirige bien sur le Japon. Quant à Bamani, s'il veut que je lui déclare la guerre, je le ferai. Hein. Alors, la coalition ici, c'est qui? C'est Mayence. Allons-y pour Mayence et puis pour Lübeck.
On a encore des marchands. On pourrait aussi quand même améliorer avec nos dépendances. Non, pas toi, l'autre. Les marchands. On a dit qu'on avait besoin de marchands dans le coin. Par exemple, ici. Si on amène sur du 99. Là et là, on est bien. Là, on a bien 50 000 hommes qui partent sur le Japon. Quelqu'un qui part à de fer. Notre armée d'élite qui retourne en Europe, où on s'apprête probablement à déclarer une guerre contre la Provence. Mais la Provence, on a une trêve contre la Provence. Oh, bah oui, on a une petite trêve, pas longue. On en trêve jusqu'à quand contre la Provence? Jusqu'en novembre 59, voilà, dans 2 ans. On va quand même être stoppé à moins de passer par la Suisse. Que la Suisse, ça ferait le taf aussi, hein, pour aller sur Paris. Un peu la ligne droite, hein. Toc, 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 hein. Suisse, Nivernais. Et du coup, on taperait pas sur la Provence. Ça pourrait être sympa de pas taper sur la Provence. On l'esquive. On l'esquive. On va vers Paris. Après, quand je dis pas taper, c'est pas taper provisoirement. Le problème, c'est que prendre la Suisse, j'ai plutôt tendance à vouloir prendre plein de provinces maintenant. Pour écraser les gens. J'ai pas envie de prendre toute la Suisse. C'est vraiment pas mon chemin. C'est vraiment pas ma route. Je serais plus pour prendre Gênes, Lucques, les finir, Venise, Milan. J'aimerais bien finir tout ça à la rigueur si j'ai du temps devant moi. Mais pour l'instant, il faudra avancer. La Provence me permettrait d'avancer tellement plus vite et plus fort. Une grosse, grosse paix. Donc je pense qu'on va attendre les 2 ans. Oui, on va sympathiser avec des séparatistes. À tout va. On a la mauvaise réputation. Ben, c'est pas beau tout ce qu'on a fait. On est très surexpandu. C'est très très mal. Pourquoi tu veux encore que je légitime des trucs? N'avais pas les points pour ça? N'a pas les points, d'accord. On a les points là. Je viens de faire un tribunal. Ici, en Beira orientale. Arrête ton tribunal. Et légitime-toi. Allez, oui, je sais que vous êtes très bien content, mais ça va aller mieux bientôt. Vous inquiétez pas. On est en train de venir. Voilà, alors ici. Le Décan. Paf. Le Bengale. Paf. Le Gujarat. Le Doab. Et le Lahore. Voilà, ici, on en a d'autres. Peut-être en Birmanie. Non. Là, Siam. A priori donc, Malacca, plein. Là-bas, probablement pas. Là non plus. Ici, en Gênes. Il y en a plein. À Venise, il y en a encore. Là, je crois qu'on n'a pas le droit. Ça, c'est Venise. Là, je pense qu'on n'a rien à Vienne. Rien en vallée du Rhin et rien en Champagne. Voilà, ici, Alexandrie. Irak, Bassora. On en a encore. Chartres pour le Levant. Anatolie. Ok. Crimée, on n'a pas le droit. Perse, on a tout. C'est quoi ce petit bout? Ah, c'est Irak. Ok. Ok. Sympathie pour les séparatistes. Mais ça va pas durer. On va arrêter d'être sympathique avec les séparatistes dans quelques jours.
Est-ce que je déclare la guerre à la Pologne? Go. On a failli s'ennuyer. On va pas faire grand-chose, hein. On va lui faire une petite paix. Voilà. On a Ratisbonne aussi. C'est où Ratisbonne, c'est là. Voilà, toi tu t'entraînais, tu retournes t'entraîner. Voilà. Alors non, c'est pas tout à fait suffisant. On attend ceux du 24 avril et du 3 mai. Mais le 24 avril, c'est bon. Ah bah c'est bon. On est bon. On est repassé à l'équilibre. On a toujours plus 3. Donc du coup, là, ça va s'écrabouiller tout seul, en fait, hein. Pas sûr sûr. Indépendance de Jin. J'ai raté les gars là-haut. On va y aller, on va foncer. On en a d'autres des comme ça, des guignols là? Indépendance de Dongai. Mince! Surtout qu'en plus je suis là, quoi. Je me suis carrément oublié, moi. Ok, bon tout ça, ça va être réglé. Les indépendantistes, là. Indépendance de l'Ayutthaya. J'en ai pas raté d'autres, non. Non, on frappera sûrement un petit coup ici. Là, ils doivent être en guerre. Sinon, je les verrai pas autant. Si, si, non, ils sont pas en guerre. On doit attaquer Pasai, Malakal et finir. Et laisser ensuite le reste se débrouiller tout seul. Malacca, Pasai. Japon pour prendre de petits trucs là. Ici, on laisse ça. On laisse les hindous, hein, tranquille en bas. Ils nous font pas de mal. C'est des amis. On a Solon qui aspire à la liberté. C'est très bien de sa part. La liberté, c'est un beau concept. Jungarath, on va te déroter ton commerce. Et tu vas bosser un peu. Grèce, on va te déroter et tu vas bosser. Il faudra encore qu'on aille le récolter, ce commerce, sinon ça ne nous servira à rien. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite.